Le plus dur quand on prend l'avion, c'est de rentrer son sac à dos dans le sac de voyage. Je prépare mon sac pour Ushuaia. On ressort toutes les affaires de l'hiver. C'est un gros stage, c'est un beau stage. On est 3 semaines là-bas sur place. Il faut un peu se mettre confortable parce que 3 semaines, ça, c'est un peu long. Et voilà, on va aller s'installer à Ushuaia. Protec. J'ai tout étalé, mais après ça va tout rentrer dans les sacs. Hein. Ça c'est le challenge, ils se remplissent vite. Je dois faire rentrer tout ça encore. Je vais prendre une paire de géants. Ça c'est quoi? Ça c'est vitesse, donc je vais prendre une paire de vitesse. Et puis une paire au cas où. Ça, là. J'ai déjà perdu 5 kilos dans l'affaire. L'altitude de la station, elle est plutôt basse. Je crois que le point culminant, il est à 460. Donc ouais, c'est assez bas et ça permet de faire un stage assez intense. Il faut tester les skis neufs, il faut préparer les skis pour l'année prochaine, enfin les saisons prochaines. C'est vraiment le dernier stage avant la saison. Ah oui, je voulais prendre ça aussi. Ma petite bouilloire. Ça. Et c'est bon. Ciao. On est à Madrid et on attend, en attendant que Clara nous apprend à jouer au backgammon. On voit la neige. On arrive à Ushuaia et il neige. Au moins on est direct dedans. Donc on forme, c'est bien, ça fait un peu de préparation physique. C'est Romain qui va être content. Piste libre pour Tessa. Allez, t'es. J'ai une petite liste sympa à faire aujourd'hui. Presse de la Fédé. Donc c'est une journée qu'on a chaque année avant Zolden en fait. C'est sympa parce que ça lance un peu vraiment la saison. Enfin, en tout cas moi c'est une manière pour mon esprit de comprendre que ça y est, c'est plus l'entraînement, maintenant c'est la compétition qui démarre. Il faut arriver aussi dans ces quelques jours-là, suite au stage de Ushuaia, à switcher de mode un petit peu. On sent que y a un petit peu de stress qui arrive, mais ce qui veut aussi dire excitation et saison qui démarre quoi. Donc de regarder la présentation, c'est vrai qu'on voit des images magnifiques et ça donne envie d'y être à nouveau. Salut.